Bonjour madame. Alors, je suis l'assistante personnelle de madame Sofiane de Medium. Aujourd'hui, madame Sofiane vous offre spécialement une consultation gratuite d'astrologie. D'accord madame? Oui monsieur. Vous pouvez aller chercher un papier et un stylo pour noter le numéro privé de madame Sofiane, donc? Oui monsieur. D'accord madame. Madame? Oui, monsieur. Vous notez maintenant le numéro privé de madame Sofia? Attendez, je n'ai pas encore trouvé mon stylo. Vous allez chercher un papier à stylo, donc? Dites donc, pourquoi vous m'appelez madame? Je suis l'assistante personnelle de madame Sofia, le médium. Madame Sofia vous offre aujourd'hui une consultation gratuite d'astrologie, madame. Mais pourquoi vous m'appelez? Vous m'appelez madame? Madame Sofia vous offre une consultation gratuite d'astrologie. Écoute-moi. Écoute-moi quand je parle. Tu m'écoutes? Oui, madame. Pourquoi? Oui. Je suis pas madame. Pourquoi tu m'appelles madame? Monsieur, vous êtes monsieur? Eh ben voilà, eh ben dis donc, tu as mis le temps, cocotte. Hein. Pardon, monsieur. Bon, écoute. Ah, je vais chercher un crime. Écoute-moi, bordel de merde. Je vais chercher un crayon et un stylo. Tu m'attends, ok? Bon, j'ai trouvé un crayon. Ça y est, monsieur? Ouais, j'ai trouvé un crayon. Un crayon? Oui, oui. J'ai un crayon, mais j'ai un problème. Oui, monsieur. Donc le numéro c'est... Non mais attends, écoute-moi, j'ai pas fini ma phrase. Hein? J'ai un problème. J'ai pas réussi à trouver un papier. Alors faut que j'aille chercher un papier maintenant. D'accord. Bon allez, je vais chercher un papier. Hein? D'accord. Voilà. Bon, je cherche un papier. Non, je cherche. Ah, putain, c'est le bordel chez moi, tu peux pas savoir tout ce qu'il y a. Non, je vous attends, d'accord. C'est ça. Dis donc. Ça y est maintenant, monsieur? Dis donc, le numéro de téléphone, là, Albert. D'accord, le numéro, c'est 0... Oui, j'ai que 0, oui. 08... 2 fois 0, 8. 08, 91... Ah, je comprends rien, ça parle derrière toi, je comprends rien du tout. Répète. Le numéro, je répète. Oui, le numéro, c'est 08... Oui. 91. 80 quoi? 91. Ça veut dire quoi 91? 0891. Ah bon, d'accord. Ah bah dis donc. Tu parles français comme moi je parle comme une vache espagnole. Hein. D'accord. 0891. Maintenant 10. Oui. 51. 5, et ensuite qu'est-ce qu'il y a? Ah, et 1, d'accord, 1. Et à la fin, c'est 30, d'accord? Attends une seconde, je regarde, hein, je compte là. 3, 2, 4, non, 6. Non, je 8, répète, 10. Je répète, le numéro c'est 0, 8, 9, 1, 10, 5, 1 et 30. Ça va? Ouais, mais c'est dans quel pays ce numéro? Vous pouvez me répéter le numéro donc? Pour éviter les erreurs. Alors 30, 51, 10, 91, 08. Non, je répète, le numéro c'est 0, 8, 9, 1, 10, 5, 1 et 30. Ah, d'accord. Mais dis donc, ce serait pas un numéro surtaxé par exemple? Non, c'est le numéro privé de madame Sofia. Madame Sofia a beaucoup de nouvelles pour vous. C'est madame Sofia. Il y a flash et des visions pour vous concernant votre vie sentimentale, votre santé, votre famille, votre état financier. Dis donc, là j'ai un problème. Est-ce que madame Sofia peut le régler? Problème de quoi? J'arrive pas à faire caca le matin. Est-ce que madame Sofia peut faire quelque chose pour moi? Non. Soyez sûr que madame Sofia a beaucoup de nouvelles pour vous. Mais oui, mais est-ce qu'elle est capable de me faire caguer ou pas?
Comment? J'ai pas entendu. Est-ce qu'elle est capable de me faire faire caca le matin? Elle est capable de tout. Mais comment elle fait? Me met un doigt au cul ou quoi? Écoutez, vous avez noté le numéro? Mais non. Pour appeler Madame Sophia? Oui, mais je voudrais savoir, ça, il est où ce numéro? Le numéro c'est 08 9 1 10 51 et 30 à la fin. D'accord? Sophia, c'est en Bulgarie ça. Vous pouvez me répéter le numéro s'il vous plaît? Non mais je pose une question. Sophia. Oui, Sophie. Vous pouvez poser. Sophia, je la pose où la question? Je la pose. Non, c'est Madame Sophia, le médium. D'accord. On vous appelle. Mais c'est en Bulgarie. Appelez Madame Sophia. Madame Sophia, je l'appelle. Madame Sophia. Entendez. Madame Sophia. Madame Sophia. Oui, Madame Sophia vous attend maintenant dans la salle de concentration. D'accord? Attendez, elle est dans un camp de concentration. Oui, la consultation est gratuite. Voilà, je l'appelle. Écoutez, deux secondes, okay. Madame Sophia. D'accord? Madame Sophia, vous m'entendez, Madame Sophia? Madame Sophia, oui. C'est vous, Madame Sophia? Elle vous attend dans la salle de concentration, Madame Sophia, d'accord? Mais non, moi je veux pas aller dans un camp. Je veux pas aller dans un camp. Et maintenant, s'il vous plaît. Je veux pas aller dans un camp de concentration, moi. Oui, dans la salle de concentration. Mais on avait beaucoup de choses à vous dire. Je veux pas aller dans un camp de concentration. Allez, appelez maintenant, d'accord? Appel. Elle vous attend maintenant. Alors j'appelle, Madame Sophia. Madame Sophia. Madame Sophia. Sophia. Madame Sophia. Sophia. D'accord, rappelez maintenant. Madame Sophia, fuck you. Oui, oui. Madame Sophia, fuck you. Numéro est comment? Mais tu me prends pour un con ou quoi? Oh. Oui, alors? Tu viens de me dire que tu me prends pour un con. Le numéro, monsieur. Non, mais je te pose une question. Est-ce que tu me prends pour un con? Oui. Comment? Ah, tu me prends pour un con, alors? Monsieur, vous avez noté le numéro? Mais non, mais c'est pas la question que je pose. La question que je pose, est-ce que tu me prends pour un con? Vous pouvez poser vos questions à Madame Sophia. Elle vous attend. Mais oui, mais... D'accord, moi, je suis l'assistante. Mais oui, mais... Madame Sophia, oui? Vous êtes combien d'assistantes? Appelez maintenant, s'il vous plaît. Non, dis donc, Caroline. Elle va répondre à vos questions, d'accord? Et Caroline. D'accord, s'il vous plaît. Caroline, vous êtes combien d'assistantes? Moi, je suis l'assistante. Mais non, il y en a d'autres derrière, j'entends parler derrière. D'accord, monsieur. Appelez maintenant, s'il vous plaît, d'accord? Alors, attends, j'appelle, hein? Une seconde, hein? Un, deux, trois. Madame Sophia!